Non, frustration, déception. On avait à cœur de faire un bon match et surtout de rapporter des points à Strasbourg. On ne l'a pas fait, malheureusement. Il va falloir continuer à travailler, pas se poser de questions. On a deux matchs encore cette semaine. On n'aura pas le temps de réfléchir on va se mettre la tête à l'endroit, on va dire, et continuer à travailler pour aller chercher des points le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il y a justement deux points au 4 matchs, c'est pas beaucoup, ça a dans la tête. Non, on l'a connu l'année dernière. On a vu qu'on a su remonter l'année dernière. Il va falloir s'appuyer là-dessus et continuer à travailler sereinement. Et je pense que le prochain match, essayer d'aller chercher la victoire pour redonner beaucoup de confiance au groupe. C'est ce qui manque un peu au jour d'aujourd'hui, je pense. Puis voilà, on sait que le foot, c'est jamais facile. Faut continuer à travailler pour aller chercher les trois points. Qu'est-ce qu'il y a manqué aujourd'hui ? Des buts. On voit que sur la limite, leur seule occasion du match, ils arrivent à marquer ce but-là. Nous, on a quelques situations. Être un peu plus juste devant le but, un peu plus juste dans la dernière passe. Être plus déterminé, mais voilà, comme on l'a dit, c'est une période un peu plus compliquée. Il va falloir la traverser ensemble. On a un groupe solidaire et il n'y a pas de raison que sur les prochains matchs, ça se passe mal. Alors, il reste trois jours, on a fait du mercato. Il y a des joueurs qui sont concernés chez vous. C'est un jour aussi un petit peu. Non, il va falloir poser la question pour moi. Moi, je ne suis pas concerné par ça. Non, nous on travaille sereinement. Je pense que ceux qui sont sur le terrain, ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le club. Et on ne voit pas la différence. Maintenant, on sait toujours que c'est une période compliquée. On espère que ça se termine le plus rapidement possible pour qu'on travaille sereinement pour la suite de la saison. Sur le terrain, juste le fait de ne pas regagner après 3 matchs, maintenant 4, est-ce que inconsciemment ça peut mettre une forme de pression dans votre tête ? C'est un inconfort, on va dire. On va travailler pour aller gagner un match le plus rapidement possible. On joue à la Méno mercredi devant notre public. À nous de tout donner pour ne pas avoir de regrets à la fin du match et rapporter le plus de points possible. Est-ce qu'un succès, ça pourrait être un déclic, c'est vraiment... C'est toujours un déclic, un succès. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien pour la confiance. Et on sait que le football, c'est compliqué parfois. Maintenant, il ne faut pas se mettre le feu. C'est une période un peu plus compliquée, mais il n'y a pas le feu. Le sentiment, peut-être que vous manquez un peu de jus. Est-ce que tu partages ça ou pas? Moi, spécialement sur le terrain, je me sens bien. Pas toi, c'est sûr, il manque quelque chose parce qu'on n'arrive pas à gagner les matchs. Maintenant, à nous de travailler pour trouver ce petit déclic qui nous fera tant de bien.